Cathy, ce Ouais. petit thé. Hein? Ben là, on est en train de manger un petit déjeuner avec le gardien du troupeau qui se situe juste derrière. Il nous a gentiment invités à boire le thé. Donc il l'a fait. Et maintenant, il veut que je mange du fromage. Moi j'ai mangé, hein. Tu vas être obligé. On nous a fait un petit feu, parfait. Allez. Les Syriaques sont un groupe ethnique et religieux qui parle syriaque, une langue dérivée de l'araméen. Ils sont principalement associés à la tradition chrétienne et sont présents dans plusieurs pays du Moyen-Orient, notamment en Syrie, au Liban, en Irak et en Turquie. Les Syriaques ont une riche histoire culturelle et religieuse, avec des racines qui remontent au premier siècle du christianisme. Ils ont également leur propre liturgie et leurs propres pratiques religieuses. T'as acheté quoi, c'est rien? Un pain froid et une brioche qui est excellente. Même celui-là, le gâteau, il est bon. On projette, ils font bien la bouffe, les Syriens.
Good, Cathy. Siz nereden geldiniz tam olarak? D'où viens-tu exactement? C'est bon? C'est un monastère qui est donc très très vieux, un des plus anciens. Il est encore occupé par des personnes qui viennent ici pour être... ils font de l'enseignement, du moins. Et aussi, donc, il est fermé. Et donc, nous, on a la possibilité de faire le tour du monastère, simplement, puisqu'on n'a pas accès à l'intérieur, puisqu'il doit y avoir des personnes qui sont en train d'étudier, etc. On voit un peuple là-bas. Ah, c'est des professeurs qu'on a vus qui arrivaient. Dans 11 km, on va arriver à Dara. On va visiter le site, regarder et puis en même temps manger. Et après, on ira à Martina. Et c'est pas tout à côté. Pas de question. C'est à gauche.
Dara est un site archéologique fascinant situé dans la région de Mardi. Il est particulièrement connu pour ses habitats troglodytes. Le site abrite plusieurs églises. Ces dernières témoignent de la présence d'une communauté chrétienne active dans la région. Ce site remonte à l'époque antique et a été habité par diverses civilisations au fil des siècles, notamment les Romains, les Byzantins et les Arabes. Les habitants ont creusé des habitations, des églises et des tombes dans la roche, créant ainsi un réseau complexe de structures souterraines. Cela a permis de se protéger des invasions et des conditions climatiques extrêmes. Dara possédait des réservoirs d'eau et des systèmes d'irrigation, dont un aqueduc, qui montre une planification avancée pour soutenir la vie dans cette région aride. Dara était aussi un centre commercial et militaire stratégique en raison de sa position entre les grandes routes de commerce. Aller prendre des photos là, ça regarde. On va manger là, bien. C'est sympa. Hein. Directement sur le cours, comme ça là. Ah ouais, on est rentré comme ça. Et on est juste en face de la Syrie. Il y a la ville là-bas au fond. Bon, pour pas avoir à se taper 8 km et un contrôle de police, on va faire une sortie à l'égyptienne. Ouais. Putain, mais il avance, l'habitude ils avancent comme des phocas. Ouais. À l'égyptienne, ouais. À l'égyptienne, mais ici aussi, hein, l'aventure, on a un gros camion qui nous est arrivé en face comme ça. Mardin, c'est en fait deux cités, la ville historique sur les hauteurs et la ville moderne derrière en contrebas. Dans 300 mètres, en rond-point. La ville est célèbre pour ses maisons en pierre, ses mosquées, ses églises et ses monastères, qui illustre une fusion unique de styles architecturaux islamiques et chrétiens. Attention parce que les escaliers sont un peu déglingues. Ouais. Allez, monte.
Le vieux quartier de Mardin, avec ses ruelles étroites et ses bâtiments historiques, est particulièrement attrayant. Mardin a une histoire qui remonte à des milliers d'années, ayant été habitée par diverses civilisations, notamment les Assyriens, les Byzantins, les Arabes et les Ottomans. Cette diversité culturelle a laissé une empreinte indélébile sur la ville. Mardin est un exemple de coexistence entre les différentes communautés religieuses, notamment les musulmans, les chrétiens, les syriens orthodoxes et les catholiques, ainsi que les yézidis. Cette pluralité se reflète dans la culture, la langue et les traditions de la ville. Ça va plus vite que le bus. Hein. Ouais, c'est pour ça. On est juste sur la colline là-haut. Ah là là, c'est tout éclairé, regarde. Là-haut. Ah oui, c'est. Ah, magnifique. Ben, c'est là-haut qu'on est, nous. Ben ouais, c'est là-haut qu'on va aller. Hein. Du coup, on rentre de l'hôpital parce que Cathy s'est fait mordre par un chat. Alors, il devait faire un vaccin antirabique. Le seul problème, c'est qu'il faut faire 4 appels. Il va falloir courir à l'hôpital pendant un mois. Ouais. Là, on est descendu, là. Ça, c'est clair. C'était éclairé hier soir. Le faisceau, il est là, pas bien, il est là.